Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera sur Evoland 2, un jeu qui est édité et développé par Shiro Games, qui est sorti, le jeu est sorti le 25 août 2015 sur Steam, Humble Store et GOG, la plateforme de The Witcher 3. Et c'est un jeu qui est de type Heroic Fantasy, et nous allons tout de suite commencer ce let's play. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait le premier. J'ai fait le premier jeu en avril 2013, donc ça fait un moment. On va tout de suite faire le deuxième en difficulté max. Bonjour G. Vous allez commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne. Lorsque vous entendrez de l'avertissement, déplacez-vous vers la droite. Félicitations G. Poursuivons nos exercices. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la gauche. Bravo G. À présent, regardez autour de vous, en haut et en bas. Excellent. Vous devriez désormais avoir l'envie irrésistible de quitter cette pièce. Parfait, G. C'est très bien. Vous savez désormais que le monde ne se limite pas à cette seule pièce. Regardez au-delà. Waouh. Excellent, G. Comme vous pouvez le voir, des buissons bloquent votre passage. Vous devriez être pris d'une envie folle de les couper avec l'épée que nous avons fournie. Félicitations. Vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons. Pour vous récompenser, nous allons diffuser une douce musique. Bien. Vous appréciez cette musique. Poursuivez votre chemin, G. Nous allons maintenant faire un test de combat. Vous allez affronter... Oups, désolé, erreur de manipulation. Bref, combattez. Ouais. Bravo, G. Vous êtes satisfait de votre combat. Alors c'est donc lui. Il a passé tous les tests haut la main. Oui, il sera parfait pour la tâche que nous lui avons confiée. Que nous allons lui confier, pardon. J'espère que vous ne vous trompez pas. Une seule erreur, cela pourrait bien être la fin du temps. La fin du temps? Ou la fin des temps? Ne vous en faites pas, professeur. Nous avons tout vérifié. Tout se passera comme prévu. Bien. Nous allons donc pouvoir activer la machine. Faites les préparatifs. Oui, professeur. Je vous laisse lire.
Oh, tu es réveillé? Tu te sens mieux? Mon père t'a trouvé au fond de la forêt évanoui. Tu ne te souviens de rien, même pas de ton nom? Peut-être que tu devrais faire un tour en forêt, ça t'aidera à recouvrir la mémoire. Au fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle... On va laisser l'appeler Fina. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. Ah, l'amnésie, hein. Un feu éteint. Ça doit être agréable en hiver. Oh, je veux pas lire... Je veux pas lire ça. Ce coffre contient un magnifique costume d'aventurier tout vert. Pas question de porter ça, vous auriez l'air d'y ridicule. Petit clin d'œil à Zelda. Non. Oh là là. Alors. Ah oui, j'ai oublié de... Je vais pas lire tous les textes que vous pourrez lire. Une âme avant de partir. J'en ai pas une normalement. J'ai appris que des pirates... Ouais. Je vais quand même le lire. J'ai appris que des pirates s'étaient installés sur l'île Molite. Pour l'instant, ils se sont pris comme bateau des marchands de Syrah. Mais on raconte que leur chef serait un géant avec une énorme moustache. Moi, j'aime bien les moustaches. Donc on peut pas passer par là. Normalement, à ces temps-ci, je me promène en forêt, mais dans l'ombre monstre sont apparus récemment. D'ailleurs, c'était juste après que Finrost t'a ramené. Je suppose qu'ils ont dû t'attaquer. Est-ce que je peux ramasser quelque chose? Un chou peut-être? Non. Est-ce que j'ai une accélération? Non. Alors toi, tu vas venir là. Je vais te parler. La guerre contre les démons s'est terminée il y a 50 ans par la victoire de l'Empire. La paix règne désormais, mais on ne sait jamais. Mieux vaut garder la forme en courant. Au fond du puits, vous apercevez les restes d'un aventurier. Mais qui serait assez bête pour descendre dans un puits? Je ne vois pas de quel clin d'œil ça peut être. Je ne vois vraiment pas. Ça doit être un clin d'œil, hein, c'est obligé, mais... Lequel, là? Telle est la question. Ce qu'on s'ennuie dans ce village, j'aurais bien aimé vivre à l'époque de l'empereur Lothaire. Qui sait, j'aurais peut-être pu être général dans son armée et vaincre les démons. Peut-être, peut-être pas. L'avenir ne nous le dira pas. Auberge. Auberge. Fouillons l'auberge. Cette auberge a été bâtie peu après la fondation du village par le grand-père de Fia. Elle accueille tous les voyageurs souhaitant se reposer, enfin tout sauf les démons bien sûr. Pas question que l'un d'eux mette les pieds chez moi. Trouver 5 gold, ouais. Trop bien. Toujours tout fouillé. C'est vide. Non, c'est vrai? C'est vide. C'est vide. C'est vide. Waouh. C'est vide. Vous avez trouvé 5 gold. Les marchands Illuminati de chez nous. Ah ouais, d'accord. Ghost and Goblins peut-être. Magnifique armure, je sais pas. Par un éboulement. Oui, je sais, encore un éboulement, cela devient presque une habitude. Vous cherchez une arme pour vous rendre à la favelle? Il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord-est de la ville, enfin du village. Mais elle a abandonné depuis que je préfère ne pas en parler pour le moment. Essayez de trouver le vieux Paul, c'est lui qui a la clé. Attention, il n'est pas du genre commode, surtout quand on le dérange quand on est en train de pêcher.
mais tu perds X en train de pêcher. J'y irai après, hein. Ne le dis surtout pas, mais je suis un peu jalouse de Fina. C'est la fille du chef du village, et elle est si gentille et tellement pleine d'énergie. Il paraît même qu'elle aurait des pouvoirs magiques. C'est vrai qu'ils sont un peu bizarres dans sa famille. Quelle belle journée pour pêcher tranquillement, loin des gêneurs. Enfin, plus ou moins loin. Quoi, la clé de la vieille maison? Peut-être que je l'ai eu. Bah, faut voir. Que dirais-tu de me rendre un petit service en échange? J'ai comme qui dirait un problème de poisson que j'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'un jeune garçon pour toi pourrait m'aider. Hein? J'essaye de voir. C'est bon. Ah ah. Bouton passer dans la serrure de la porte des codes, puis tourner. Merci le jeu. Ah, tellement... juste pour parler du jeu encore, j'ai vu qu'il y avait une bonne durée de vie, une vingtaine d'heures, comparé au premier qui se faisait assez rapidement. Là, on va pouvoir jouer tranquillement, tout explorer. C'est marron si tout bien. C'est bientôt la fête des 50 ans de la victoire contre les démons. Il faudrait que je mette ma plus belle robe quand j'irai voir le feu d'artifice à Genova. Donc des petits garçons. Au secours! Le méchant roi des démons me poursuit. Ah! Moi je suis le méchant roi des démons. Si je t'attrape, je te mords. Non mais oh, on ne mord pas les gens comme ça, voyons. Un jour, j'aimerais explorer le continent gelé, comme le célèbre explorateur Largo. Mais pas aujourd'hui, c'est déjà l'heure de la sieste. Ah ouais, d'accord, toi. Tu veux explorer quelque chose? Bah t'es déjà fatigué. Je peux pas passer par là, non. Alors. Un pêcheron. Ma passion, c'est couper du bois. Oups. On va le faire pratiquement toute la journée, je crois que c'était ça qui marquait. Pourquoi est-ce que ma femme ne le comprend pas? Toi, au moins, tu me comprends, pas vrai? Oui. Merci, je savais que je n'étais pas seul. Voyons voir si on dit non. Tu ne comprends rien à rien. Bah ouais, et... Oh, un coffre. Ta-da-da-da-da. Ah, que 30 étoiles encore. Ok, 30 étoiles. Ah, ça c'est la clé de la maison, étoile de collection. Vous avez obtenu une étoile sur 30. Je fais plus d'étoiles. Je rappelle que j'avais les 30 étoiles dans le premier, mais... Je l'avais pas fini à 100%, pourtant j'avais tout. C'était assez bizarre. Mon mari n'arrête pas de couper du bois. Je me demande bien où on va pouvoir ranger tout ça. En plus, il risque de mettre le gardien de la forêt en colère. Oh, voyons ma petite dame, ce n'est que du bois. Vous n'aurez pas froid cet hiver. La légende raconte que la forêt abrite un gardien. C'est vrai qu'on y trouve des ruines très anciennes, mais je n'y ai jamais croisé de gardien. Au nord de la ville se trouve la vieille forêt de Grimoire. Elle est plutôt calme d'habitude. Désolé si je ne le lis pas bien. J'essaie de pas prendre trop de temps à le lire et juste à regarder rapidement. Que peut pas passer par là-bas. Je sais pas si c'est cette maison-là, vous voyez voir. Non, c'est pas celle-là. Vous avez déjà entendu parler des Sylves? Ce sont des êtres étranges qui vivent hors du temps. On raconte que Sylve habitait ici, il y a longtemps. Je me demande ce qu'elle est devenue. Bonne question. On va sûrement la trouver, hein. Vous ou un autre? Rien sur les côtés. J'essaie de tout trouver, hein. Clé de la vieille maison, voilà.
Ouh, spooky. Fantôme. Ce vieux coffre ce vieux coffre tombe en miettes. Pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je tombe là-dedans? Vous avez trouvé 5 gold. Waouh. Ce vieux coffre tombe en miettes. Non, c'est vrai. Tout fouiller, tout fouiller, je veux tout fouiller. Combien on parie que je prends l'épée, il y aura des monstres qui arriveront. Au vu qu'elle ne casse pas au premier coup. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a un petit menu d'options à propos de ça? Non, pas de menu d'options. Non, ok. On va essayer de casser un peu tout pour voir ce qui peut être cassé. On va quand même refaire un tour des maisons qu'on a déjà vues parce que ce que je vois, on peut casser les vases et ça c'est assez intéressant. Pas casser les crates. Voilà, ça c'est bon, normalement j'ai pas besoin de parler à vos personnes. J'essaierai vraiment de faire le max de ce jeu en vidéo, hein. Mais par contre je vais beaucoup fouiller, hein. Je vous le dis tout de suite. Celui-là je peux pas le casser. Ah, elle est plus là. Non, on va les laisser quand même. Faut quand même les laisser, hein. Ces pauvres personnes qui nous ont aidés. Ne t'inquiète pas pour elle, j'ai débrouillé tout seul, je vois que tu as trouvé une épée. Pourtant, dans la forêt, suit le chemin qui va vers le pont Ionor. Ouais, non, c'est bon. Ouais, ok. Oh! Forêt de grimoire. C'est très beau tout ça, dites-moi. Je sens que l'OST va être excellente, je ne sais pas pourquoi. Enfin, par contre, les choses que je ne vous montrerai pas en vidéo, ce seront les séances de farm. Hein. C'est-à-dire farm de gold, de gold, de points de vie, ouais, gold, points de vie, XP. Tout ça, quoi. Si jamais je dois un jour farmer. L'environnement, hein. Donc le principe des volants, là, si vous avez déjà vu mon let's play, vous savez que c'est plus on avance dans le jeu, plus les graphismes évoluent et le gameplay également. Ils ont quand même trouvé quelque chose d'assez intelligent pour le début, pour nous montrer gauche droite, etc. Avant c'était juste des coffres qui étaient bloqués, tout ça. Maintenant c'est autre chose. Prochaine vidéo, j'oublierai pas de passer offline. Ah, nous monterons bientôt de niveau. Ah, un coffre. Une autre étoile. Nous allons continuer pendant encore 10 minutes. Hein. Ce sera des vidéos de 30 minutes. J'essaierai de faire en même temps une alternance entre le let's play de The Witcher 3, Batman Arkham Knight. Qui d'ailleurs, Batman Arkham Knight est bientôt fini d'être publié. Hein.
il doit rester 2 vidéos, mais au moment où je parle, il devrait rester 2 vidéos, parce que je pense que je la sortirai pour le 26, la première. Et pour The Witcher 3, il en reste quand même un peu plus. Je crois qu'il en a 54 en tout. Tiens, au secours! J'arrive! Votre héros est là. D'habitude, je me débrouille très bien toute seule, mais il se trouve que je déteste les champignons. En tout cas, merci pour ton aide. Tu ne te souviens toujours pas de mon nom? Et si je t'en choisissais, hein, ce sera un nom temporaire, bien sûr. Le temps que je découvre la mémoire. Voyons, tu pourrais t'appeler... On va laisser comme ça. Kuro! C'est noir, je crois, en japonais. C'est un très bon nom, ça. Là où mon père t'a découvert, il se trouve que j'ai un petit pouvoir qui pourrait bien te servir. Et pour tout te dire, je compte y aller pour savoir comment son parent et sa mort. Alors on y va ensemble? Oui. A new friend! Yay! Niveau supérieur! Nice! C'est une montée passive, ok. Comme ça c'est fait. Oh, laisse-moi deviner, sans pouvoir, c'est ça. On tire les ronces. Il va falloir s'entraider, par exemple ces ronces là-bas. Tu ne pourrais pas les couper seul pour dégager le passage, par contre avec mon aide et en te concentrant, tu dois pouvoir y arriver. Essaye de te concentrer et je viendrai t'aider. Ok, c'est bien ce que je pensais. Tu vois, heureusement que j'étais là. Bon, par contre c'est fatigant tout ça. Une fois que tu as fait appel à moi, je dois me reposer avant de pouvoir recommencer. Mais n'hésite pas pour autant. Je suis content de pouvoir t'aider, Kuro. Ah, le point de sauvegarde. Ok. Un point de sauvegarde basique. Je devrais garder ça pour les mobs avec plus de vie. J'aime bien ce système. C'est pas du RPG autant par tour, moi j'aime bien. J'aime bien tout ça. Un écureuil. Ils sont assez chiants ces champignons quand même. Une pierre qui roule. Non, ils sont mignons. Petit castor à tête de tête noisette. Ah, des écureuils à tête de noisette. Par contre, c'est des distances, d'accord. Je me fais la toucher assez assez fréquemment là. Ok, je pourrais revenir ici plus tard. A mon avis, on devrait avoir un pouvoir supplémentaire. Je peux pas accélérer par contre, c'est chiant. Enfin, je veux dire, aller plus vite. Waouh, un coffre. Oups. De la gelée verte. Alors que ça colle. Je regarde quand même, on sait jamais, il peut y avoir des passages cachés. Hein. Et alors, voyons voir si je peux passer par là. Non, toujours pas. Par contre... Non. Pas ce que je croyais. Ok, on est arrivé. C'est ici que mon père t'a trouvé. Attention, il y a des démons dans la clairière, mais qu'est-ce qu'ils font là? Cachons-nous, ils ont l'air dangereux. Bah, nous sommes vachement cachés. Alors, c'est ça.
Chiri, es-tu certaine que c'est bien un Magilite? Les documents du professeur Giraud les décrivent très précisément. Si nous activons ce Magilite, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie Magi. Enfin, Magi. Quelle idée. C'est bien un Magilite, allez, on va dire un Magilite. J'en ai déjà vu un, il y a longtemps. Il a été brisé. Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce Magilite. Si j'en crois les archives du professeur Giraud, l'énergie du gardien qui habite cette forêt devrait être suffisante pour l'activer. Le gardien dort depuis longtemps, il doit être très affaibli. Nous ne devrions avoir aucun mal de le vaincre. J'aurai bientôt ma revanche sur ces petits humains. Préparez-vous à invoquer le gardien. Kuro, c'est terrible. S'il réveille le gardien de la forêt, il risque de s'attaquer à mon village. Il faut qu'on intervienne. Tu crois qu'on devrait les empêcher de les en empêcher? Oui, c'est dangereux. Peut-être qu'on devrait... Mais on n'a pas le temps. Le gardien, ils l'ont réveillé. Attention, il est plus puissant que nous le pensions. Ils sont fatigués à détruire le village, nous reviendrons ensuite l'achever. C'est une catastrophe, Kiro. Si on laisse le gardien faire, il va attaquer mon village. Il faut qu'on essaye de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Oui, je savais que je pouvais compter sur toi. Je vais t'aider, mais ne prends pas trop de risques, d'accord? Premier boss. Ok. Ouch. Ah, flûte. C'est chaud. Oh. Flûte, c'est pas ce qui était prévu. Et voilà. De l'XP. Ouais, niveau 28. Ah, c'est ça qui nous permettra de... Le Magilite Bridge, on n'en a jamais vu ça avant. C'est de cela qu'il parlait, ces démons. Il y a des inscriptions dessus. Lorem Ipsum Dolor Sitamet. Il s'illumine, mais qu'est-ce qui se passe? Ouah! Oh! Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens différente, moins détaillée. Et toi, Kuro, c'est pareil pour toi? Oui. Je me donne bien. On est. Cela ressemble à la forêt de Grimoire, mais elle me semble un peu différente. C'est peut-être mon imagination. En tout cas, ces démons ont mis en danger mon village. Retournons-y vite pour prévenir tout le monde de ce qui se passait. Tu penses pouvoir retrouver le chemin? Oui. Ok, je te fais confiance. Allons-y. Ok. Est-ce que je peux attaquer en diagonale ou toujours pas? Toujours pas. Ok, donc nous sommes en moins détaillé cette fois-ci. Pas aller là-bas. Ah oui, mais d'ailleurs, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était Tuesday pour Chatty Ben HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.